Je m'appelle Imran. Alors, j'ai commencé avec un DUT carrière sociale, puis après j'ai effectué une troisième année en licence sciences de l'éducation, et ensuite là actuellement je suis en master EMEF, premier degré, pour devenir professeur des écoles. C'est une vocation depuis tout petit, vraiment, c'est une de mes premières vocations et j'ai toujours voulu faire professeur. Et du coup, ben, c'est une suite logique à mon parcours. À ma rentrée en première année de Master MEF, j'avais un cours en amphithéâtre, un cours de français avec Madame Bray. J'ai pu entendre justement la possibilité de partir à l'étranger pour effectuer un semestre de mobilité internationale. Et du coup, ben, je me suis dit pourquoi pas. J'ai décidé de me lancer. Je suis parti à la Haute École Francisco Ferrer à Bruxelles. Je suis parti pour le deuxième semestre qui durait 6 mois. Franchement, c'était une super expérience en tout point. Du coup, j'avais des cours qui étaient dispensés à l'université. J'avais une partie stage que j'effectuais. Et j'ai également effectué diverses sorties comme des classes de mer, des classes découvertes, des visites au musée, au théâtre. Et en partie, j'avais aussi des cours que je donnais et qui étaient effectués en stage, du coup. J'avais une partie stage et une partie plutôt scolaire. En fait, en France, j'ai le statut de stagiaire en observation et en pratique accompagnée. Et du coup, en Belgique, ils n'ont pas ce statut-là, comme on devient professeur des écoles avec un bachelier qui s'effectue en 3 ans. Du coup, j'ai directement en fait été confronté au métier et j'ai dû prendre en charge la classe, pardon. J'étais présent dans la classe et il y avait la MAT, la maître d'accueil temporaire, qui était en retrait. Donc, elle était positionnée derrière la classe et elle observait ce que je faisais, du coup. Et à la fin de la journée, ben, elle me donnait des retours. Sans comparer, c'est un système éducatif qui est quand même différent, assez différent de celui de la France. Du coup, il y a des enseignements que j'ai vus là-bas et que je ne retrouvais pas forcément ici. Et du coup, ben, ça m'a permis d'en tirer du positif, justement, et de revenir avec un bagage un peu plus fourni sur certains domaines. Franchement, c'était que du positif, c'était une très très bonne expérience. J'ai beaucoup appris d'un point de vue interculturel et ça m'a permis de découvrir un pays, de rencontrer d'autres personnes, de voir d'autres méthodes pédagogiques, d'autres horizons tout simplement. Et ça m'a fait reconsidérer la manière dont je voyais la vocation de professeur des écoles justement.